Salut YouTube! Donc pour démarrer ce loadout, on part sur une base CE avec un pantalon qui nous vient de surplus militaire et un combat shirt CE Miltech. Donc pour les chaussures, je suis parti également sur du Miltech. J'ai plus la référence en tête, mais bon, c'est des chaussures pas chères et qui font leur taf. Donc ensuite, je porte une ceinture équipée d'un holster Vega, donc pour Beretta, Glock et SIG. Donc gaucher hein, bien sûr. J'ai vraiment eu du mal à trouver un holster compatible PX4 pour gaucher, ça je vous le cache pas. Au-dessus de ça, donc, je mets mon ceinturon équipé de ma Dump Poch 5.11 et de mon porte-chargeur double Guarder. J'essaie de faire en sorte de placer le ceinturon pour éloigner le holster de mon corps pour le cirasse. Si vraiment le holster est collé à mon corps, j'arriverai pas à retirer mon PX4 de son holster et c'est un problème. Ensuite, mon bon vieux cirasse, vous le connaissez tous, j'ai pas changé grand chose, j'ai rajouté 2-3 accessoires, mais les poches sont les mêmes. Donc voilà, j'ai pas la marque hein, du cirasse. Donc comme on peut voir, j'ai dégagé le flanc gauche pour pouvoir sortir mon PX4. Dessus, j'ai rajouté donc un couteau en plastique, enfin en caoutchouc mou, donc pour le combat rapproché, hein, et un Midland G9 pour la communication, lié à un PTT donc de la même marque là, qu'on voit sur mon torse. Au niveau de la tête, alors vu que j'en ai marre de me prendre des billes juste en dessous du nez et que ça fait super mal, j'ai décidé donc de mettre un stalker, donc celui-ci c'est un Swiss Arm, même si j'aime pas ça à la base. Donc ensuite on a mon casque de communication Bow Evo de chez Midland également. Et enfin mes bolets X800. Donc au-dessus, je mets mon Mitch 2002, donc équipé d'un support NVG sur lequel j'ai fixé ma GoPro. Alors c'est un peu dur à tout mettre ensemble, mais une fois que c'est mis, ça bouge plus et ça protège assez bien. Donc enfin, pour protéger le cou qui est quand même assez sensible également, je mets un chèche. Voilà, donc là au niveau de la tête, je risque absolument rien. Donc ensuite, autre chose très importante, les gants. Bon, les miens ils servent pas grand chose, mais... Bon, à la base, c'est des gants qui nous viennent de chez Decathlon. Hein. Donc enfin, donc on a le sac 3 jours Miltech. Donc voilà, c'est un 30 litres, il me semble. Vu que je joue en chargeur 30 coups, des fois, j'ai vraiment besoin de prendre des billes et du gaz en rab. Et donc voilà, ça fait droit à l'exploratrice. Mais pour les trucs, les longues OP ou quand il faut tirer pas mal, j'ai pas le choix. Donc enfin pour terminer, mon petit nounours hein, qui est assez connu je pense chez mes abonnés. Voilà, c'est la touche de ma madame. Mais voilà, j'aimerais bien voir plus de trucs comme ça atypiques sur les tenues des joueurs, ce serait vraiment cool. Parce que voilà, on voit toujours les mêmes trucs sur le terrain, c'est vraiment assez relou. Donc voilà, maintenant c'est terminé, je vous invite à vous abonner ici. N'hésitez pas à me demander un ami sur Facebook et Twitter et à aller voir ma dernière vidéo Rush ici. Ce serait vraiment sympa. Sur ce, je vous dis ciao.